Bienvenue à cette vidéo du collègue joueur. Et aujourd'hui, petite vidéo spéciale hors série, si on peut dire, étant donné que c'est pas un collègue joueur avec un gameplay ou un collègue joueur avec une collection de jeux que je peux vous montrer, mais ici aujourd'hui, on se retrouve avec une console nouvelle génération, la première qui est sortie, la Wii U. Je parle pas trop fort parce que, étant donné que il est 10h45, tout le monde est couché, ça fait bon. On parlera pas trop fort, mais ça me fait plaisir de vous faire mon premier unboxing. Et c'est une Wii U. Une Wii U toute neuve que j'ai même pas encore ouvert. Vraiment là, je l'ai pas ouvert. C'est un vrai unboxing. Et mon premier. Hein? Petite tortue. Une nouvelle habilité avec le. C'est pas vraiment un champignon, ça ressemble plus à un gland qui vient bien sûr des arbres. Je sais pas si vous pouvez voir, mais à la limite ici. On va s'amuser à zoomer. Et vous pouvez voir que c'est dans. Oups! Focus marche pas. C'est quand même dans les arbres. Hein? C'est une belle boîte. Wii U. Et ça, c'est quel animal qui vole comme ça? Les écureuils volants. J'aurais tendance à dire que c'est un écureuil volant. Mario et Luigi, c'est Deluxe 7. Bien sûr, on va remettre ça complètement comme ça. Bon, ben, quoi vous dire? Bien, c'est ma nouvelle console Next Gen. On avait le choix, bien sûr, entre une Xbox One, oui, une PS4 ou la Wii U. Et on a décidé la Wii U, étant donné qu'on a la petite machine avec 32 gigs de disque, l'espèce de manette que je pourrais dire mablette, là. Un mélange de tablette et manette, bien sûr, sûrement le courant, avec fil HDMI, le petit capteur de mouvement, sûrement un support pour la console, un autre support sûrement pour le capteur, un support pour la console. Ah oui, sûrement que le support de manette, à mon avis. Et un jeu qui est bien marqué 2-in-1 game. Sûrement on peut pas lire là, mais c'est ce que j'ai pu voir, parce que j'avais une petite crainte au début, c'était de me retrouver avec un jeu que je devais télécharger. Fait que si on voit bien ce qui est inclus, c'est tout ça, et on trouve la 10e potion ici, 2-in-1 Game 10. Ça fait que normalement, on devrait avoir le jeu ici de New Super Mario Bros. U et New Super Luigi. On enlève le Bros. Et U, bien sûr. Petit homme pour ça. Ça fait que ça, c'est les deux jeux qui sont inclus.
La seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi il a barré le brosse. Pourtant, c'est toujours des frères. T'sais, en tout cas, peu importe. Hein? Avec Mario, Yoshi, Todd qui est en, je sais pas, raton, pas raton, mais écureuil volant. Luigi avec son Yoshi gonflable. Et un autre Todd avec son Yoshi qui fait des bubules. À la Bubble Bubble. Une petite tortue. Des quoi ça? On a tendance à dire des petits chiens de prairie. Là. Ça creuse partout. Et bien sûr, la manette. Je peux quasiment jouer. Le stick. Tu peux. Ah oui, on y va. Je suis prêt. Ah, on va la fermer. Bon, ben, on va commencer si on veut. On veut le faire. Parce qu'on sait jamais. On pourrait manquer de batterie. Pour avoir un fuck dans le son. La date. Le son a l'air correct. On veut juste espérer que le son. Le son est. Est-ce que c'est un jeu à l'envers? Ah, ça va à l'endroit. Et comme ça. On est en deux parties. Et. Comme ça. Fait que. On laisse quand même la boîte présente. Hein? Non, ça bloque un peu, je trouve. On va l'enlever. On va l'enlever. On va profiter. Au maximum de la place pour y aller avec le jeu. Ah, il est scellé. En tout cas, je vais pas l'ouvrir là, mais sûrement que c'est bien sûr le jeu. Même chose que la pochette. Un petit bonus vidéo. Avec l'arrière, on va zoomer comme ça. Comme ça. On voit quand même un peu qu'est-ce qui est bien là-dessus. Avec tout ça là. La côte. On voit tout. Bon, ok, on y va. Le courant, c'est gris, c'était un, en tout cas. On arrangera ça tantôt. Ça, c'est le fil de courant, bien sûr. Voilà, du courant spécial. Au moins que ça soit. Ah, c'est bizarre, mais c'est deux fils de courant, en fin de compte. Je me ressors de ça. Sûrement un fil de courant pour la base. La base de. Le fil de courant. C'était peut-être pas la meilleure idée d'ouvrir ça. Je suis obligé de leur mettre dedans. Mes enfants, ils croiront plus à Noël. Ah, ben, ils vont voir que le Père Noël l'avait utilisé. À. Voilà, qu'il qui atteste. Bon. Ici, le petit manuel, le guide pour nous aider, puis le petit guide de Wii U. On peut toujours regarder rapido presto, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça doit être toutes les manières d'utiliser la manette, ok. C'est vraiment toutes les instructions
Il en français, bien sûr, très important. La manette, la Wiimote, la Wii U Pro. Ok. Bon, toutes les petites affaires à savoir plus tard, disons. On va commencer par jouer à des jeux avant de tout remplir ça. Leur calendrier, toutes les petites. Peut-être les affaires en ligne. Un peu comme la. La Wii. Bon, ici, on a. Ça, c'est sûrement la base pour la console. Hein? Une petite. Je sais pas, vous voyez. Mais... C'est. L'ensemble, vraiment. C'est des pieds pour permettre à la console de pas tomber. Mais on va les laisser ensemble. J'ai pas l'intention. Je sais pas si vous voyez, mais ici. Ça, c'est aussi. Le capteur, là, soit sur la télévision. Mais, celui de la là. Je sais pas si lui de la Wii, normal, il fait un autre socle. Sûrement le socle de la manette, là. Le support. Et un autre support. Ouais, ceci. Ouais, ça c'est vraiment le support de la manette de... avec l'écran tactile, ça c'est sûr parce que je sais pas, là on peut brancher quelque chose à l'arrière. Fait qu'il faut que ça soit sur le courant. Hein? Puis des petites roulettes, c'est bizarre qu'il y ait des petites roulettes. En tout cas, sans faire ça. J'ai hâte de voir l'utilité des petites roulettes. Peut-être que ça brille. On verra bien. On met ça là-dedans. On serre au fur et à mesure pour que ça soit le portail après. Fil, bien sûr, HDMI. Pour pouvoir jouer à la première console Nintendo. HD. On est en bientôt 2014. Et c'est quand même la première génération de console HD pour Nintendo. Sûrement un petit reproche qu'on pourra peut-être faire dans le futur, dans le sens que ça aurait été bien qu'il aille avant. Mais il travaillait sur d'autres choses. Ah, ça marche, ça ne forme plus bien, ça là. Ouais, l'inconvénient de devoir le regarder avant. Avant de l'offrir en cadeau. C'est quand même un cadeau de famille, on s'entend. Hein? Certain âge, on se paye des cadeaux. Ça, c'en est un. Un cadeau pour toute la famille. Je souhaitais que quand il va rentrer dans la boîte, ça va être carré. Ça force pas la boîte, sinon hein, on est mal pris, on ne veut pas poser la boîte. Parce que les boîtes. Qu'on collectionne. Hein. Bien, c'est le fun de les avoir en bon état. Ok. J'ai l'impression que ça, c'est la bête. Oh, hein. Déjà en partant, ça fait plaisir de voir une machine si belle. Si lustré, si propre, si avancé de manière technologique, là, en tout cas pour Nintendo, c'est là quand même la nouvelle machine. Oh, ça fait plaisir à voir, c'est de toute beauté. Regardez-moi ça, hop, hop. Hop, je suis tout en train de la salir, malheureusement. C'est... Madame, c'est un bon garçon. Vous avez accouché d'un beau bébé. Ah, tabouille. Waouh. Sans faire ça.
regarder ça. Comment c'est propre? À part mes doigts que j'ai mis dessus, là, mais profitez-en parce que ça restera pas longtemps de même. Vous pouvez même me voir. Et regardez ça. Oui, hein, c'est parfait ça. C'est vraiment. Je trouve vraiment ça génial. Bon. Ok. On l'a assez pognassé. On va la remettre dedans. Parce que on va être sûr de ne pas faire de gaffe. Et que ce soit demain qu'on ouvre ce cadeau-là. N'ai pas l'impression qu'il ait déjà été ouvert. Oh. Je pense pas que c'était le même au début, mais l'important c'est qu'on ait réussi à l'envelopper à nouveau. Et sûrement le dessert. C'est propre ça. Bon, attends, je l'ai mis à l'envers. Dans le bon sens au moins. Ouais, regardez ça. C'est génial ça. Elle brille. Elle brille vraiment. Elle est propre, propre, propre. Et je suis. Totalement épaté. Un bouche bée. Des sticks. On va rapprocher un peu la caméra, ça va aider. Mais il va de même. Comme ça. Hein? Oh, faut que je ne me vois la face non plus, on se recule un peu. Ça fait que. Les boutons. Y, X, A, B. Plus, select. TV control, power. Home, le bouton Home, la croix directionnelle, ouais, c'est quand même bon, la connerie, les triggers, ah ouais, ok, il y a même le volume, casse d'écoute, casse d'écoute, ça là, c'est quasiment, je trouve aussi le fun d'avoir ça, que d'avoir, ben premièrement c'est comme une console portable, oui, mais, un casque d'écoute que tu veux brancher sur ta Genesis parce que c'est. Il y a sûrement le courant aussi, à mon avis. Parce que la Sega Genesis, on peut brancher son casque d'écoute dessus. Fait que ça a un son de qualité pour jouer avec tes jeux Sega Genesis. Tu mets un casque d'écoute. Ouais, ben sans faire ça. C'est très agréable. Surtout que c'est le modèle noir. Je trouve être encore plus intéressante comme manette là avec ici je sais pas trop c'est quoi qui rentre ici mais je sais pas on dirait une carte HDMI mais je suis pas sûr pas une carte mais un câble c'est bizarre en tout cas peu importe ça fait que hein? Ça, c'est super bon. C'est qu'on va la remettre dans son petit sac. Très important. Parce que c'est le dernier cadeau qui me reste à emballer. Et j'avais vraiment le goût de vous faire un unboxing de. Cette manette-là, de cette console-là, hein. Console que j'ai décidé de me faire comme cadeau à la famille, bien sûr, hein, on s'entend. Mais quand c'est toi qui paye, au moins tu choisis le cadeau. Et cette fois-ci, c'était bien sûr. Une console, oui. Oh, ça va rentrer serré. Je sais pas serrer ça. Donc, j'aurais peut-être dû le serrer.
Ça y va. Ça c'est bon, c'est rentré. Ça sera pas parfait comme celle d'été, mais à part vous autres qui avez regardé la vidéo, ben, vous allez être les seuls à savoir que j'ai ouvert avant, bien sûr, ma console, nouvelle console Wii U, parce que je l'avais pas ouvert du tout au début. Vous l'avez sûrement remarqué. Ça fait que le prof, il vous dit, passez un bon temps des fêtes et à la prochaine vidéo.